Docteur Jean Eder, petit frère et famille Tabane de Longe a présenté une opportunité pour transformer la vie. Est-ce qu'on connaît que au procédé pouvoir a responsabilité pour déterminer le destiné? Est-ce qu'on connaît que ça oui aujourd'hui a ses résultats choix à décision qu'on prend chaque jour? Est-ce qu'on connaît que capacité pour prendre bon genre de décision qui ramène en volonté bon Dieu pour la vie dépend de qualité connaissance ou gagnant? C'est des cœurs par nous pour la vie ou transformer à travers message ou obtenir des jeudis. Songez que développement personnel exige discipline personnelle. Donc préparez pour recevoir un message sans compromission qui pourra aider ou développer et grandir pendant la encourager, inspirer et motiver pour arriver à accomplir destinée ou dans la vie. Et Kounia, ensemble, en nous recevoir en bas action cet esprit, serviteur bon Dieu, capote message jeudi. Parole bon Dieu. Moi c'est ça le dit moi hier. Moi qu'a faire? Tout ça dit moi qu'a faire. Moi qu'a posséder? Tout ça le promet moi. Matin hein, moi prêt recevoir enseignement parole bon Dieu. Moi déclarer avec hardiness, pensez moi l'ouvrir et attentif. L'esprit me paraît pour m'en recevoir. Moi pas sortir là, mais monde qui me derrière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Thank God. Now, matin, hein, comme on dit, on m'a parlé un petit crasse légèrement. C'est pas que me finis épuisé sujet que me désolé avant, non? Même senti dans l'esprit même que bon Dieu voulait me faire des déviations ça tout petit et porter quelques bagages, mettre un petit point sur deux trois i en perspective à ça que moi senti dans l'esprit que me crois que bon Dieu va le faire dans l'église. En tant que leader, on a une responsabilité tout pour sensible à voir cet esprit, pour qu'on ait qui côté, bon Dieu, vent à changer de direction pour que ça, faire sûr que ça, ou en lien avec ça que l'esprit, bon Dieu, a fait. Et cette dimension de sensibilité, ça, qu'on a prié pour bon Dieu continuellement que ça, qu'un bel homme. Thank God. So, matin, je vais parler sous plan, bon Dieu, pour l'argent. Bon, depuis tout dans ce sens-là, ce n'est pas plan bon Dieu pour l'argent, en tant que plan bon Dieu pour l'argent, sans gain. C'est plan bon Dieu pour vous concernant l'argent. Concernant l'argent. Maintenant, nous allons tourner avec le matin dans un verset que moi, qui résume en partie ça, nous allons regarder avant le matin, qui c'est Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24, les résumés en essence, les résumés pour nous, contenu, ça n'est pour nous ensemble là, dans la série ça. Comme peut-être que je vais prendre deux dimanches pour me traiter sur le bagage là, et puis ensuite aller côté de moi, comme on dit, je nous pour reste année ça. Moi, quoi que stratégique, que c'est qu'on y en a pas de l'argent en fin d'année là. Verset 24. Là, je lui dis, nul ne peut servir en même temps. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Non, version seconde, l'a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. M'appelez-le pour une seconde. Il dit, nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Là, vous manquez, il dit, ou pas qu'à servir Dieu et maman. Ou pas qu'à servir Dieu et l'argent. Non, alors que je dis, il y a un homme qui est là, tu es bien honnête. Si ce n'est pas de l'argent.
Nous sommes sincères. Si ce n'est pas l'argent. Nous devons servir mon Dieu, l'homme de ça, pieusement. Si ce n'est pas de pression, l'argent à faire sur nous. La Bible a dit, vous ne pouvez servir Dieu. Et maman, non, je prends un petit Jean explique qui ça veut dire. L'argent, en réalité, moi je pense que il y a un problème que l'église gagne, l'église évangélique, c'est parce que Kounia là nous rend nous compte. L'église fait réveiller. Il y a un cap dormi toujours. Malgré ce que la vie a baillé, c'est viré ou viré sous bord. Il faut qu'on finisse trop bien conscient de ça, de problématique que l'argent crée dans l'église. Moun dans l'église dans ma gouille. Pasteur dans ma gouille. Le pasteur pas vouloir pasteur. Dans mon sens, parce que vous priez placer l'autre. Et vous priez, vous pas vouloir une autre là. Dès que soit pour blanc. C'est un bavlo prend blanc. Ou du moins, un bavlo prend même moins. Non, entre même moins et blanc, ça d'elle. Blanc, cabaye, 2-3 gouttes, dollars. Même blanc, cabaye, qui ça? 2-3 gouttes. Ça d'elle, l'argent. Kounya de l'église, bah, après, pour fonctionner bien. Parce que ça, senti que ça, beaucoup de l'assemblée, on menace pour les. Nous manipulons les gens pour l'argent. Je ne dis pas qu'il y a malade, non, moi, non, c'est l'église. Il y a un vainqueur. Nous ne parlons pas de l'argent. Vous voyez ça? Parce que l'argent, tout parles de l'argent, il y a d'où ça? Ou matérialiste, il y a d'où Chanel. Nous ne parlons pas de l'argent comme si bagage qu'on a nos besoins. Parce que ici-bas, nous faisons ça, n'importe ça, Jésus qui a baillé. Mais nous rendons compte que ça, Jésus, là, ça nous gagne pas assez. Mais comme nous ne pouvons pas parler fort de lui, nous devons savoir qui ça, l'autre technique pour nous. Nous gagnons ça. Nous gagnons les vainqueurs. Nous gagnons ça. Les rachetés, les dévoués, ambassadeurs. Néhémie, Déborah. Et puis nous avons un seul bannier. Qui est-ce qui a un bannier? Néhémie, ou quoi qui te barade pour un bannier? Mais pas ça, ok? Pourquoi vous avez Dorcas pour bannir? Ça dit, Dorcas, c'est 37 gouttes 50. Et Némi Potel, parce que le bagage, ça 40 gouttes. Vous avez bannir. Vous êtes content? Vous avez bannir, je dis, vous avez 40 gouttes. En réalité, l'église a fait 40 gouttes. Vous avez moi là. Si vous avez 50 classes, qu'a fait compétition et à pension entre 1200 goudoui si on fait tout ça oui non tout bat attendez là alors on avec moi là gain classe fâché avec l'autre si on veut en visite te ba 5 goud moi t'ai invité là et on prend le venir dans classe toi et on fait perdre bannière non ça veut dire que là, nous parlons comme on a le bal sur le principe, bon Dieu, nous parlons de nos dimensions qui réellement bas. Et nous parlons pour lutter tout le monde, parce que leur besoin, ou pas qu'à jeûner légalement, ou pour chercher l'autre moyen de jeûner. Parce que bon, c'est besoin, pas qu'à vivre sans eux. Mon lègue, autant je parle de la prière, on parle des jeunes, on parle de 40 du jeunes, pour la prière au travail. Je suis en vacances qui 2 mois sous ces élèves de l'école. Il y a 40 la même pour faire jeune. Ça me rejoint pour aider me répondre à rentrer l'école là. Et pas ça, je m'attends un miracle. Parce que je ne peux pas être manquant de ça. Responsabilité par rapport à ça, exigence que la vie a fait, besoin que je me d'ailleurs, 40 jeunes, je ne peux pas 40 jeunes, n'importe quel non. Si ces jeunes ont fait, vous voulez dire 40 jours de réunion, de prière. Et puis, dans tous les jeunes, ça va fait offrande. Ça va faire pendant le jeûne. Pas là même, non. Non, ça m'a dit là, je n'ai pas gagné mal avec l'argent. Non,
Et puis, non, mais, ou, ah ouais, et puis on passe comme ça, on a parlé, pas fin tout, mais on a parlé de l'argent. Non, mais voilà, on a parlé de l'argent. Parce qu'il va parler de l'argent lui-même, le spirituel. Dans la classe, c'est quoi du dimanche? On vient au mariage, offre. Enterrement, on a crié, oui. Ça y est ouvert. Non, c'est pour. Alors, attendez. Non. Attends. Semblez attirer attention sur l'air. Ce n'est pas parler l'église mal. C'est pour montrer que l'homme pas enseigné sur lui pour que nous ayons un contrôle qui ça. Qui attitude a besoin vis-à-vis de ça? L'argent, ou pour aller utiliser l'autre méthode manipulateur pour aller ça. Joignez-moi parce que ça a besoin de nous compter que l'église, monde, pas qu'à fonctionner sans l'argent. So, alléluia, spirituel, hooks, alléluia, mais l'offre nous ouvre, pas besoin de l'argent. So, suspend by tête nous qui ça. Menti, ils sont en commodité qui est important que lié, ils sont moyen échange que lié. Donc c'est important. Pourtant, la Bible a dit, ou pas qu'à servir Dieu et maman, ou pas qu'à servir Dieu et l'argent. Et moi, je crois que en pire mon l'église a une mauvaise réaction vis-à-vis de l'argent, c'est parce que l'église, effectivement, n'a pas enseigné sous l'argent. Sur Relem Chanel, Relem pas spirituel, si vous voulez. Mais l'aime financier, on prend le bon choix. Qui attitude vous prenez vis-à-vis de ça? Bagage à l'église, ça, l'argent. Comment me considérer? Pour ne pas venir camper entre moi-même. Et relation moi avec mon Dieu. Donc vous dites en Haïti, l'argent c'est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Now, il y a des gens qui enseignent que l'amour de l'argent, quand la Bible dit, c'est la racine de tous les maux. L'argent fait un pile bêtise. Mais la Bible dit, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, c'est l'argent. Now, frères et sœurs, il y a un billet 100 gouttes dans même là. Tout le monde dit 100 gouttes. Tout le monde dit good. Good is good. Good is good. And many good, ou bien plenty good, is very good. So good is very good. Ouais, 100 gouttes ça m'a là, li bagan li innocent. 100 gouttes ça innocent. Li bagan rien mal. On va pas dire rien bien parce que on connaît rien bien. Mais bagan rien mal des têtes de côté là. Mal ou bien le café a dépend de qui moun qui servit avec lui. Et qui Jean moun ça servit avec. Sur l'argent. Tout le monde dit l'argent sont bon bagaille. Comment? On dit l'argent sont bon bagaille. L'argent sont bon bagaille. Non, je ne dis pas l'argent bon tant que bon Dieu. Mais après bon Dieu. Non, après bon Dieu. Finement, si on bagaille qui peut aller donc à jouer quelques bons moments dans la vie pour qu'on dise mon Dieu bon, c'est l'argent. Bible a dit l'argent répond en pile. Question. Ouvrir en pile, bon. Et Bible a dit qu'on bande prière à faire là, l'argent est répondu déjà. On va faire aujourd'hui, ah oui, mais l'argent est répondu problème ça, déjà. Et c'est quoi prier qu'on y a là? Parce qu'on va gagner. Non, Bible a dit c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Non, c'est envie pour me gagner. C'est envie ça, c'est soif ça, obsession ça pour me gagner, hein, qui vient faire ça, je fais n'importe zac que je fais pour me gagner. C'est ça, c'est envie qui n'est pas bon. Mais, le monde c'est l'argent qui n'est pas bon, mais l'amour de l'argent, je voulais comprendre comme ça. D'après, un monde qui va gagner là, après gagner là, qu'est-ce qui vient bien? L'a-t-il? So, je dis, afin de garder un ça, qui n'a un gros caï ça, qui pour les gros machines ça, il y a un problème. Parce qu'elle fait une vie bien, c'était ça lui-même.
Si vous voulez faire, vous avez l'argent, vous avez une vie qui est plus ou moins. Et vous avez l'église, moi, je suis content de la radio, je n'ai pas annoncé de bagaille. Vous avez dit que si vous avez l'argent, vous avez un bon valeur de l'argent. L'église, cap, on a deux conditions. Si vous avez pour vous-même, vous jouez bien en sous ça, déjà, vous n'avez pas gagné, espérer dans le ciel encore. Vous avez l'argent qui a empêché dans le ciel. Et vous avez des gens qui littéralement croient comme ça. Non, bon, tout ça, c'est un péché pour pouvoir se penser ça. C'est une offense que lui. À principe, sa Bible là, enseigne, c'est mauvais. L'argent en soi, pas grand rien qui ça, qui mal là-dedans. Et on peut faire tout ça qui dépend de vous pour mettre mes mains sur plus qu'au capable. Là, c'est l'autre pasteur à passo. Samedi là, le pasteur passe au l'autre. Pour travail, redidi et arriver mettre main sur ça sous plus pour capable. Qu'on l'appelle désobéir pasteur. Et on bien content que mon l'église qu'obéit ça. Et là on fait mettre sous plus que possible, fais sûr qu'on porte 10% pour moi. L'autre jour moi dans maintenant en sommet Bahamas, et puis il y a une dame qui vient, et puis dame dit dame est fonti parler. Et puis moi, je ne sais pas, il y a un monde qui connaît le monde, et puis il y a fait le monter, il parler. Dame dit, Dr. Mars, il fait le Mars en gros, il dit, Dr. Mars, viens là, je dis, parce que, tu sais, là, ça a environ quelques années de cela, 3 ans peut-être environ, nous avons vécu, nous avons un petit Bokota, une petite machine, une petite voiture. Il y a une dernière machine, nous avons vécu. Il y a un petit. Je me déprends dans pas trop bonnes conditions. Et si je vis dans la machine, moi-même, moi, tout le temps, tout le temps, je fais des bagages, toiletterie, toilette, tout le temps, je suis dans le coffre machine, derrière la machine. Et machine dans le cas. Des fois, c'est dans le parking public, je suis tout posé, puis je suis là, tout dormi. Il y a un bagage fait que, au monde, par hasard, à l'église, on a un monde qui vient un petit livre où tu écrit sur potentialité. Et les livres là. Et depuis le livre là ouvri j'aime, fait bien ouais tête moi en l'autre façon et me commencer à consentir une série de efforts et de sacrifices. Je dis après 4 ans, notamment j'ai 500 employés. Dans l'état de Texas, moi j'ai 500 employés qui travaillent pour moi. Nous avons un shop dans tout Texas, ça c'est couvert Texas net. Nous avons 500 employés. Je n'ai pas dit ça, mais après, il y a des gens qui parlent par là-dedans. Que des millionnaires. Après 4 ans. Et puis il dit, donc je dis, je pensais que c'était important pour me songer à monde ça qui était obligé, qui n'a pas de travail pour moi, non, mais qui était obligé. Sous ça, moins grand homme que m'a dormi sous l'île. Et puis il dit, l'hypothèse pour Dr. Miles, yon bel petit cadeau. Une étoile. Bah, cher. On va quelconque. On peut vous mettre dans le bureau. Une étoile. Mais bah, cher. Vous là où on est le côté comme. Même dit, pour moi, il va vous bailler. Et puis il offrit un livre que lui-même, vous n'avez pas écrit. Qui retrace qui ça, pour nous dire que le dégant dans le tap chita dormi. Souyo! C'est que l'aime gado là, moi-même, l'aime gado m'dou, m'dou ciel là, c'est limite, l'aime gado mouek baye kafando. C'est là, un rêve à prévu, non, même. Si bon Dieu fidèle, et si m'en, ou m'en est, si m'en est, ou m'en est, ou m'en est, ou m'en et engageant pam, wal pam, c'est pousso, jusqu'à ce que ça, tout bébé ça rend dans là, ou mette au dehors. Aïti trop petit pour. Quand on va ouvrir comme dans pays ça, on pense que quelqu'un doit tolérer non. Il parle l'eau arrogant, il parle l'eau fréquent, il parle l'eau toute qualité non, après ça vient servir. Parce qu'il a besoin bagarre pour rien. Amen. Ouais, il met pas rien mais là comment c'est gagner l'argent, il va servir bon Dieu, tout n'a plus rien. Il a servi, pas parce qu'il rien non. Avant pas tout pas jamais rien. Mais là au besoin ça gagner hein, il a rien. Et servir. Et plus se servir, il a venir approcher pour eux, il a venir qualité quand dans là, il a venir vraiment naturellement pour aller ça. Mais l'argent va tirer d'abord. Et puis, il y avait ça, il y a que, enfin,
Mwen sa m devle ofre, li ofre, li ofre Dr. Miles yon enveloppe noa. E le mwen ofre, li yon chèk $10,000 la dan. Dr. Miles di, se sa! Mwen di, se sa! E pi, ton nou la la, mwen se apay, ou menm ki la ki yon ba an don, achete liv mwen. E pi pa bliye, $10,000. Yo di tout sa pou la parol la bay la. Parol te pi go ba m de ka ba ou. Pasteur, tan pa la, pa tan pa m $10 te fini. Sa di lò ka fè pou. Parol la bam la, sa m de ba ou ankon. Ki sa te bezwen an plus? Alors, lè nèt sa te te paralize a te a la, sa ki se bali te fè leve le manche ya. L'ajan de bali? Ma bon mwanyen ki ka edo ki sa. À taper dans une ressource qui est illimitée. Mon qui bon l'argent pas aidé, non? Mon qui montre au côté pour faire l'argent, c'est lui qui est aidé. Et pas qu'on l'argent ou qu'on prend $100 là au sérieux. Pas qu'on l'argent qui connecte avec elle. Non, on a allé dans sa conseil aujourd'hui. Moun gen yon tendance pou yo gen tout a été vieille de sous question l'argent. Et moi kwè personnellement, ça c'est parole de pasteur. En tant que pasteur, moi kwè c'est diable là même qui inspire un bon monde. Pour faire ouais l'argent qui ça. Jean ouais là, puis on pas enseigner sur lui pour faire que géant ça c'est l'église. Kabakab jambe qui ça, réveiller malgré ou gen volonté pour t'lever. Kounya, l'église est fait gros bagaille, chrétien veut l'état gagne bagaille, mais ça on arrive. Il trop tard, il pas moyen. Yo gagne bagaille, on veut faire. D'après au même, c'est prière que fait nous là toujours. Nous va en l'aine de supposé oui. Nous un plan. Est-ce qu'on a un plan? Ma pose une question. D'après au, qui ça fait nous pour en l'air? Ma personne manque prier? Ou bien nous manque jeûner? L'est-il? Ça prend beaucoup en l'air. Donc, l'argent, c'est lui qui fait obstacle à Kounia. Donc, en réalité, l'église n'est pas liée directement avec le bagage spirituel seulement parce que pendant la visite de ça, là, bon, c'est le commodité, il faut nous dire ça. Il faut nous jouer un million. Bon, on information sur la question de l'homme. Non, gardez avec moi, en cas où vous pensez que M. Chanel, gardez 1 Chronique chapitre 9. 1 Chronique chapitre 9. Et nous allons situer l'argent, nous allons qui accompagne l'argent. Et parce que bon, Jean, on parle de l'argent. Bon, moi-même, quand comme toujours, je me dis, l'argent. Bon, faut pas, bon, c'est pas, on va prononcer n'importe comment. Ok, verset 12. Est-ce que c'est lui? Verset, il dit que both richesse et honneur viennent de même. C'est 1 Chronique 29, verset 12. Voilà. C'est 29. C'est 1 Chronique 29. Non, garde avec moi. Ça le dit, s'il vous plaît. Lis-moi. Non. Wow. Pas courir. Ok. Qui de toi ça? Qui de toi ça a parlé là? On nous lit verset 11, s'il vous plaît. Non, prends temps pour le soir. Allez-y. Uh-huh.
faut nous comprendre porter verset ça. Ha! Now, pour mon gars, je vais ça. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force, la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Selon ce gore. Non, c'est de toi. De qui est la richesse sortie? Non, honneur, ça dit. Honneur, mais voilà, honneur. Soit la richesse, soit la honneur, non? Personne n'a pas de respect pour mon qui parle. Bible a dit dans le proverbe, même femme ou pas vleur, l'on pas bon. Même femme, on pas un même. C'est de toi que viennent la richesse. Non, nous admettons, faut nous admettre qu'on y a ça. Quand la richesse sorti, donc il n'y a pas bon, il n'y a pas mauvais. Tout ça, bon Dieu, fait bon, dis ça. Donc, si tout ça, bon Dieu, fait bon, eh bien, richesse sorti qui bon. Non, mon Dieu, son richesse, pas qu'à qui ça. Mauvais. Nous d'accord? Alright, on garde l'autre verset. Parce que quand c'est le monde, il faut avoir un pile verset pour arriver à convaincre. Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5, verset 12. On allez, nous connaissons Apocalypse, son livre qui parle de un pile bon bagaille. Ok? Son livre eschatologique. Ok? Donc, mais on allez, verset 5, samedi là, 5, 12. On y va, ça le dit. Wow. Il disait, qui est-ce qu'il ça? Parce que, là, pas de il disait, il faudrait que vous compreniez dans, qui est-ce qu'il a? Il a besoin de qui est-ce? Hein? Le sale, par exemple, pour aller dans le contexte, pour les versets qui suivent, il faudrait que vous situez le petit cas plus. Verset 11, en allez, ça le dit. Et, ok, j'entendis la voix quoi? De beaucoup d'anges, autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des milliers de milliers. Ça c'est un qui demande qui ça? Trône. Bon Dieu saint, c'est pas vrai? Bon Dieu saint, c'est pas vrai? Bon Dieu merveilleux, et devant trône, non, tout est ça, devant. Verset 12. Il disait, qui va dire ça? Devant trône, non. Des anges, des vieillards et des êtres vivants qui devant trône, non, abdi, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Qui est-ce qui s'est agneau qui est immolé? Jésus. Jésus est digne de recevoir quoi? La puissance, sans problème. Oups. L'agneau est digne de recevoir la puissance, sans problème. La sagesse, nous l'a toujours. La force, nous l'a. L'honneur, la gloire, la louange, alléluia. La richesse, tout. L'agneau est digne de recevoir. Donc, si l'agneau a recevoir, tout ça, l'agneau a recevoir. L'agneau a recevoir. Non, c'est important. Vous comprenez? Mon gars, nous, comme ça, que Jésus est toujours pauvre. Jésus n'a pas de crasse pauvre. Vous ne pouvez pas être contre Jésus. Et ça, madame, qui compte être converti? C'est vrai, il faut couper, oui. Ok, là, on a parlé. Faut, mais on nous garde, qui ça? Deutéronome 8, verset 18. Non, Deutéronome 8, verset 18, pour aller devoir comprendre l'autre bagage. Alors, je vais vous donner un verset. Pas parce que je vais vous donner un verset. Je vais vous donner un verset. Concept là. Concept richesse, mais concept l'argent. Comment qui des fois porte en pile problème. Mon gars, dans pour séparer spiritualité avec bagage ça. Je vais faire ce que je montre que tout samedi là, il y a spirituel. La richesse, l'honneur, la gloire. Il y a tout qui ça. Dans la même compagnie. Et ça me le montre là, oui. Richesse dans la même compagnie avec ça. L'honneur, la gloire, la louange et tout le bagage ça. So, c'est dans la même compagnie. Nous d'accord? Ok, Deutéronome 8, verset 18. Ça le dit. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Ok.
de la force de les acquérir. OK. OK. Now, s'il dit de les acquérir, les donc que lui te parlait de les ça précédemment. Donc, en allant verset 17, là, mon cap situé. Verset 17, ça le dit. Donne-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Richesse au pluriel, s'il vous plaît. La force de ma main m'ont acquis. Alors, ma force et la richesse m'ont acquis ces richesses. Et bien, on a évité ça parce que verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, parce que c'est l'Éternel qui bon qui ça, force pour capable qui ça, gain richesse. Qui est-ce qui bat force pour gain richesse? Bon Dieu dans la vous c'est vrai. M'bado va pas bien pauvre, non. Pauvre va toujours gagner. Parce que c'est un peu pas obéir, bon Dieu vrai. Pauvre, là, pas ce bon Dieu fort, pauvre, non. Faut gagner riche, faut gagner pauvre. Il va obliger moins. Faut gagner riche et faut gagner pauvre. Il va bon Dieu choisir une. C'est monde qui choisit en fonction de Jean pour le mener. La vie, il y a pour venir qui ça. Soit riche, soit pauvre. Il n'aime pas de richesse, mais pas de l'argent uniquement. Richesse, pas veut dire l'argent seulement. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur la force de ma main. Et ma puissance monte à qui ces richesses. Et non, et pas vous-même qui fait. C'est bon Dieu qui bon force pour qu'il soit riche. Donc, bon Dieu, pas qu'à me force pour me travailler, pour me venir riche, mais pour me venir riche, je vais voler avec mon Dieu. Il y a des gens qui vont voler avec moi. Parce que tu as mis en place, moi. Ça va payer. Oui, que je vais payer. Mais bon Dieu, devant bon Dieu, nous sommes quand ça va voler. Avec richesse, moi. Non. Mais. L'argent qu'on a, force sont coupable. Qu'on gagne ou qu'on pas gagne. Non, on a ça. On gagne ou sont coupable. Parce que l'on a des valeurs, des gens qui ont nécessité. Et puis, on a arrêté, on dit qu'on a bon bras, fait tel bagage ou fait. On sent que les gens qui ont fait mal pour les gens. On pas gagne ou coupable. On garde tout ce qu'on a fait sous tes gagnants. Donc, on a moi là. On gagne, les gens qui ont force sont coupable. On pas gagne. Livre coupable. C'est un choix besoin de faire. Puis tu es coupable avec lui. Si je suis coupable quand même, puis tu es coupable avec lui. Là, on va remarquer. Mais bon, si bon Dieu est bon riche, ça, pourquoi ça bon Dieu intéressé dans l'argent comme ça? Tout le temps, pas l'argent, pas l'argent, pas l'argent. Non. Attends. Bon Dieu a besoin d'argent. Bon Dieu, pas besoin d'argent. Que ça clair pour vous? Bon Dieu, pas intéressé dans l'argent. Non, pour qui ça, vous avez demandé une baïkob? Non, l'heure de travail, de 8h à 4h, ça, vous avez combien là? 8h de temps? On se fait un bail combien? 40h. Là, vous avez 40h. Ça, 40h, ça représente pour vous. La vie, ou, son, talent, habilité, ou, ressources. Ou. Donc, en d'autres termes, l'argent, ça représente qui est? Ou même. Bon Dieu pas intéressé dans l'argent. L'intéressé qui est. Non, ou même. Et l'homme l'argent, ça, quand on va avoir des conflits, tu dis, mais moi, Seigneur. L'homme l'argent, hein, c'est ça. Son manière pour dire ça pour le Seigneur, moi qui ça. Moi offrir à ou même qui est. Moi-même à travers ça. Kadom, non. Donc bon Dieu pas intéressé dans l'argent, l'intéressé qui est. Non, ou même. Et puis, bon représentation de l'argent. Ou même, c'est qui est. C'est l'argent. Ou même parlons de parler là. Vous ne pas parler en pile. Vous avez un micro. Parlez. Spirituel, vous n'avez pas gagné. Vous avez un spirituel, checkez booster. Gardez combien le soir pendant moi. Et puis checkez qui ça, quand il dépense l'argent. Parce que la Bible a dit là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. Gardez qui côté mon ça mon demande c'est comme lui et après qui côté ça qui c'est priorité pour lui. Parce que n'importe ça priorité pour vous, ou faire sûr qu'on investit l'argent. La donne. So pas vin dire bon Dieu c'est chef, c'est seigneur dans la vie ou là l'argent ou prend priorité pour parler de tout ça. De tout l'autre besoin qu'on gagne et qui est-ce qui est en dernier? Pas parler de bon Dieu, pas parler de spirituel. Oui. Bluff. Voilà, moi, je prends la main, je regarde des filles comme dire, ah, je regarde une fille comme ça, j'en dis là, faut être sincère. Pendant moi, je prends, bon Dieu, je prends, parce que ils sont des cœurs, sont des mots, ils connaissent ce qui va passer. Ou pas qu'à dire moi-même, et c'est comme ça que je traite, c'est mon dernier dans le pays. Laissez que l'entrée dans la main, c'est moi en dernier. Ou pensez avec moi. Ou dit moi-même, moi-même qui ça? Je vous l'ai dit, remets de what? Je ne vais pas jouer, je vais là. C'est anglais, oui, parce que je vais parler là. What, c'est anglais, oui? What? Qui remet à parler? Si c'est vrai, l'argent représente qui ça? Moi-même. Et puis, l'homme, c'est vrai, je en pile. Maintenant, ça m'a gagné. Je vais témoigner, respect, priorité, à partir de gens, moi, utiliser ça m'a gagné. Donc, retirez la fin de la bâche, moi, bon Dieu. Retirez ça, gardez, coupez ça dans la bouche, sec. Parce que, puis, bon moyen, ou pas foutre du ménage, ou madame, ou petit, ou remel, les tout ça, vous gagnez, ou dépensez dans l'autre monde, et vous ne prenez pas soin. Pas besoin de dire on remet yo. Souvent, quand on joue une audacité pour dire on remet bon Dieu, les vins tout ça qui vient dans la main, qui représente vous-même. C'est qui bon? C'est dans l'autre bagarre on pense. On remet caillou. On remet l'école. Parce que c'est yo qui va réussir dans la vie. Donc on investit dans ce qu'on estime qui est important pour yo. Mais pas mettre bon Dieu dans la bagarre là. Retirez bon Dieu sous bouche. Donc, c'est important de montrer ma moto de spiritualité. Parlez de spiritualité. Vous dites, parlez de spirituel. T'as couru passer. Je vais perdre. Spirituel. T'as couru passer. Il va aider. Il va dire ça. Il va couper en bas. Il va faire mon riche d'eau. Now, bam, la gaye. Bam, dans la Bible là. Nous recordons, moi, il y a environ 38 paraboles. Combien de paraboles? Nous, on s'en parle, il y a après. Genre, qu'est-ce qu'on a parlé là-bas? On sait de l'histoire, on sait une anecdote, qui voit, pour faire un message. Ok? Ça, le débat, ça veut dire, non, ça. Mais ça veut dire, c'est un autre bagarre, mais qui, et à travers ça, le dit là, pour que ça, ou ça veut dire. 38 paraboles. Où on est 16 ans, il y a parlé sur l'argent? Attendez, ça me dit là. Sur 38 paraboles. 16 ans yo gain pour ouais avec l'argent. Non, on est qui spirituel. On va regarder côté le cas spirituel. Si on parle de ça mettre la balle. On va regarder spirituel parce que exemple spirituel c'est Christ. Sur 38 rendez-vous, presque moitié. Les gain pour parler de ciel, les gain pour parler de la prière, gain pour parler de jeûne, tout bagage ça. Moitié la donne gain pour avec l'argent. Sur Christ parler qui ça? Sur l'argent plus que le parler sur tout autre bagage. Bala na amen la, non? Ou gen droit pour dire amen, oui? Mbe ou fin avon, non? Youn, l'opre Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça m'a les quatre évangélios. Sous chaque 10 versets, gen youn qui gen pour avec l'argent. 1/10. Ou abjouen, yon référence, elle qui lié avec qui ça? L'argent et utilisation. Youn, sous chaque 10 versets, gen pour avec l'argent. Dans la Bible, là, dans les quatre évangiles, il y a environ 500 versets. Côté Jésus parlait sous la prière. Combien de versets? Non. Si nous entendons, on répète la même question. Donc, on dit, je vais répéter ça seulement là. Ok? Il y a environ combien de versets parlait sous la prière? 500 versets parlait sous la prière. Il y a des
moins que 500 versets qui parlaient sur la foi. Non, 500 parlaient sur la prière, moins que 500 parlaient sur la foi. 2000 parlaient sur l'argent. Écrit. Dans les évangiles, 4 évangiles seulement. Et puis, allez les pasteurs, et puis, faire. Moi, je vais ouvrir les Bibles encore pour moi, puis pour qu'on avant que nous puissions parler, on a l'enfer qu'on a. Plus de 2000 versets dans la Bible, là, Jésus parlait, fait référence avec ça, l'argent. Ça suppose dire. Ça suppose dire, bon Dieu, dans sa sagesse, il connaît que l'argent est un problème pour nous aujourd'hui. Et à cause de ça, il décide de faire une formation et instruction avant même que le problème n'est venu. Nous ne sommes pas capables de lier ni nier non plus. Nier non plus l'importance. L'argent, et surtout Jean freine avec son dans l'église, à gérer parce que c'est un problème. Moi, garantie, frère avec ce mur. Ou pour jeune Satan attaquer dans l'argent, plus que l'attaquer dans quel domaine dans la vie. Ou ap jwenn Satan nan bousou. Pi souvent, ko jwenn ni nan foyer ou ben nan assiette ou ben nan l'autre côté. Parce que n'importe lequel ka affecte l'argent ou ben nan conception de l'argent, ou ap saisi pou l'autre bagay, son patron nou kon kite lié directement avec l'argent. En pile foyer écrasé d'après ou. Et parce que vous n'avez pas même l'autre, non? Mauvais gestion l'argent. Ou bien absence de tout. Ou bien absence du tout. L'argent, absent. Lundi, l'argent, absent. Mardi, mercredi, l'argent, absent. L'air, vous avez fait appel chaque jour, madame fait appel chaque jour. Chaque matin, madame m'a levé. Les gars, ils sont habités, la fait appel. L'argent qui ça? Pas jambes brisant. Non, mais pas grâce, bon Dieu, mes amis, ils sont arrivés. Et bon, on vous êtes mon cher. Vous allez chercher côté qui ça. L'argent présent. Parce que, après tout, tout le monde doit vous vivre. C'est la défense. Et la défense, on doit sacrer le dit. Bible a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants. Les princes de ce monde de ténèbres, mais il dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Non, on va combattre, c'est important. On va faire de l'argent. On va dire qu'on parle là. On va dire qu'on parle là matin là. En cas qu'on ne comprenne pas, on dit là, frère, c'est certain. Il va parler de bagage qui est extrêmement spirituel. Et pendant que je parle là, il y a des démons qui font tout ce qui est vieille idée pour jouer au nom de parce que nos domaines, guerre spirituelle. Je ne connais pas les batailles, ça nous gagne dans le domaine de l'argent. Parce qu'on a l'autre domaine encore, ça gagne contre la vie. Par contre, l'autre domaine encore, il va gagner contrôle la mine. Il va gagner une bataille dans le domaine spirituel. Je parle de son bataille spirituelle. Ça vous comprenez que spirituelle, bataille spirituelle, c'est comme ça. Oh, là-bas, chandon, là-bas, chandon, non. Ça a tout. Ça, c'est une expression de bataille spirituelle. Là. Mais l'argent, il va être spirituel. Extrêmement spirituel. Extrêmement sensible. Non, pour qui ça est important? Ok? Vous remarquez que il y a un bagage Satan fait pour le royaume bon Dieu. Ça, je te dis, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, tout bagage ça. Qui bon? Sous terre. Ça, c'est vrai, mon Dieu, bagage de terre d'après même. L'argent. Donc, le plus bon moyen, Satan, qui combat le royaume bon Dieu sous terre, c'est permettre que le monde qui t'a financé le royaume, non, pas de moyens. Puis bon moyen, Satan qui a combattu mon Dieu dans le domaine spirituel, comme lui qui a battu mon Dieu lui-même personnellement, c'est qui ça? C'est infecté pour qui ça? Le royaume n'y a pas d'impact que le supposé gagner sous terre. Et si me fait chrétien aurait été pauvre, il n'y a pas de influence que le supposé gagner sous société. Il n'y a pas d'influence que gagner dans le pays. Donc laisse ça, ma cap qui ça, gain contrôle royaume non. Ou bien royaume par non a bien plus impact sous terre. En Haïti, royaume Satan c'est lui qui a mené.
Parce que tout le monde qui a l'argent en Haïti, yo, pas identifié yo avec Christ. Donc, respect mon gagnant. Yo plutôt gagné pour l'église catholique. Je ne vais rien contre l'église catholique moi-même. Je plutôt gagné pour l'autre bagaille. N'importe l'autre religion qui vient là, qui a plus d'autorité que protestant. Parce que nous avons pile l'école, nous avons dit que nous faisons plus pour l'école la conne, mais nous mal faisons la conne. L'école nous est médiocre. Nous dégauchons mon yo. Et puis l'élève qui dégauche est tombé, est tombé. Et nous mal dégauchons. Parce que c'est l'école, frères et sœurs, compassion. L'école mal gourmisée. Nous faisons. D'après, parce que nous ne faisons pas de bon bagage. Non, parce que ça, nous ne faisons pas de moyens. Mais volonté en donne, nous faisons ça capable. Après, au fin de compte, il n'y a pas de respect pour nous. Parce que là, au fin de compte, il y a marché avec le monde, il y a des gens qui ont bien. Il y a des gens qui ont dit, ah non, c'est pas bon, il y a des gens qui ont bien. Quand il y a un monde qui a dit, ah oui, il y a des gens qui ont dit, encore pour dire ça, c'est pas bon Dieu qui t'a aidé, ou t'a pas bien net. Donc, il y a des gens qui ont dit, yes. Même mon monde est venu de gauche, il y a tout le monde qui va. Contre. Checker des potes musiciens. Ou est dans la bon musicien dans la rue. Même on va chanter dans la rue. Checker côté sorti. Checker côté sorti. D'abord, ça fait l'ex-baga qui est musicien. Ça fait l'ex-baga qui est chanteur. Bon artiste, ça fait l'ex-baga qui est. On ne parle avec non. Et pas qu'on nous connaît. Et pas spirituel ou spirituel. Les jeunes ont pleuvé, ils ont un talent. Ils ont offert le corps pour faire moyen, pour vivre. Et pas seulement, mais bon Dieu, non. En tant que les fous pour bon Dieu. Mais le cragou! Et les personnes ne nous pas résoudre pour les grangoules, là. Ou pas qu'à contre l'Israël derrière chercher pour les grangoules, là. N'importe quoi, ils ont joué. Ou t'as méchant, sous du fort, était là, pour mourir avec eux. N'a pas mouru ensemble, mais n'a pas l'ancien. Non. So, tout autant, moi, je ne vais pas comprendre que son bagage spirituel, l'argent est. Ou pas qu'on a bataille. Ou pas qu'on a bataille. Non, 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 c'est ça. La Bible a dit, nous n'avons pas pensé qu'on a acheté le sang, mais qu'on a les méchants et le ciel et tout le bagage. Elle met en place des forteresses. Quand on a forteresses, ce sont ces deux. Gros obstacle érigé pour faire obstacle à vous-même, pour ne pas faire aucun mouvement, pour ne pas avoir aucun dextérité, pour ne pas avoir aucun flexibilité, pour ne pas bouger. Ça t'en coco bien, non? Regardez ma belle là, nous avons 2007 pour aller en petit croisière. Pourquoi on a un petit croisière, pas sur 1 000 dollars américains? Nous avons un croisière là, oui. 1 000 dollars américains. Nous bataillons, nous mettons, tu vas là, tu vas dire comme d'ailleurs, nous avons un million de dollars chaque mois. Et puis nous allons faire là-dedans. Comment bon Dieu pour nous aller? Et imaginez, on nous a bon, la bonne chose en taille. Mais on cherche une façon là, on dit que bon, que la vie américaine là, c'est un ticket, puis on achète, nous prenons un ticket, un groupe là, nous payons 300-400 dollars, nous arrivons à Miami. N'importe quel café là. N'importe quel café là, il n'y a pas de quoi aller. On fait, depuis même mon Dieu souffre, on fait mon Dieu souffre. L'autre bagaille est bien facile. C'est bien fait. On y a là, on allait. Nous arrivons, Miami, on prend maintenant, bon. Mettez dans le bateau là, dès que vous croisez là, tout le monde gagne. Vous voulez manger 50 fois par jour, littéralement 50 fois, 5, 0, vous pouvez jouer. Vous voulez manger 50 fois, vous avez quelqu'un qui est en train de vous retirer longue. Vous pouvez jouer 50 fois même, oui. 1000 fois si vous êtes capable. C'est 24 sur 24. Ou qu'à manger. Tout le monde, on n'a pas qu'à imaginer. Vinal, ouais. Mais ce qu'on est arrivé là, ma part de ça là, ça a son gros obstacle. Mais pourtant, ou allons croiser avec madame, l'autre tourne notre groupe, nous tournons qui ça. L'amour nous dit ça, renouvelé. Ou on est des bagages forts, mais pour qu'à kimbe l'amour en vie, mes amis. Et pas toujours dans l'église, ça va la prison chez vous, Dieu, pendant toujours évoqué, bagage fort, et tout! Non, la guerre trop se compte, mon Dieu. Mon Dieu, pas carré, madame, mon beau. Mon Dieu, pas capturer, madame, mon fait sentir.
madame, pour mais ça tout et pas la prière que fait yo que madame dans toute année là tout je n'ai pas fatra monter bloqué c'est puis passer poussière là boue et puis venir dans l'exemple là et pas la vie li ka fait lui mais temps en temps faut qu'on ait que chaque on l'a bon traitement spécial là ça la prend la voix avec courage et la prière pour jour arriver avec moi là samedi là la madame on est pas ça moi convaincu que si madame voulait le cap fort qu'on est l'enfer sous tes la cunia et si madame dou la gueule dans des grands non pour le fort qu'on en goût l'enfer parce que le grand on va pas dans l'enfer là faut qu'on l'enfer sous tes là on va garantir on prend Satan personne si madame voulait des fois là deux paroles là bas c'est mon choix blé cherche trop dans trop dans trop dans trop dans et vous oh chou mais même madame ça si conditions réunies, la montre, on pense que c'est un bon homme, Père Abraham. On pense que c'est ça. C'est dans les bras, le Saint d'Abraham. Même madame, ça, elle a fait tout l'aide. Tout l'aide. Madame, elle dit amen. Tout l'aide possible. Mais d'après vous-même, ça fait un pile, n'est pas capable de faire traitement ça. Pression la vie. On t'a dépensé 300 dollars pour aller dans l'hôtel à madame moi, mais et l'école là, pas moi, pour me payer entre l'école là. So, l'argent a fait pression, les gars, tes familles, les gars, tes relations l'église, les gars, tes bagages, les empêche de prier, les empêche de comprendre les bagages. L'argent spirituel, frère et soeur. Alors, qu'on y a là, pour me venir l'église, m'accepter Jésus, me faire confiance comme pasteur, et vous ne pas dire rien, son bagage qui est aussi important et spirituel, comme ça. Et puis l'autre l'arrêté, regardez, me dit Michanel. Matérialiste. Moune pas faire, mais qu'on y a pas voulu faire. S'il vous plaît, fais mon service, rends mon service. Pas comparer avec personne moi-même. Comparer avec tête, moi. Avec mission que bon Dieu m'a fait. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Allez vite. Oui, 3 minutes, c'est pas vrai. Et pas vrai. Non. Éphésiens 6, 12, ça le dit. Nous n'avons pas à dire contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits. Qui boyoye? Non, quand on a dit que Satan c'est dans l'enfer, Satan parle dans l'enfer. Satan parle dans l'enfer. Satan gué pour aller dans l'enfer. La Bible a dit, mais qu'on a plus ça. Et tout le monde, ça, quand on a dans les lieux célestes. Tout le monde, je lève mes yeux vers les montagnes, contre le ciel là. Deux semaines. Ouais, d'accord, je vais jouer en l'air, c'est là, c'est pour sortir. Mais, et pas seulement c'est pour sortir en l'air tout. Problème ou tout. Sortir en l'air. Parce que, bon esprit, ça, quand on est dans les lieux célestes. Non, il faut m'expliquer un bagage qui est important pour ne pas confondre. La Bible a dit toujours, chaque fois que la Bible a parlé, l'homme en Genèse, ça veut dire. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a toujours dit, il va dire le ciel là. Les cieux et la terre. Non, on va gagner plusieurs ciels. Il y a plusieurs ciels. Non. Oui, 2 minutes. Genèse. Oh, j'ai oublié verset. Non, Somme 19. Non, Somme 10. Et devait pas dire. Non, Somme. 1 minute. Dans Somme 19, il parle de les cieux. Non, Somme 19, les cieux déclarent la gloire et les firmaments. Hein? Somme 19, verset 1er. Non, Somme 19, verset 1er. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste les œuvres de ses mains. Voilà, nous, ça, c'est un ciel. OK, maintenant nous apprenons un bagage qui est important. Dans 2 Corinthiens et puis il a parlé de celle qui appelle Elohim. Shamahem. OK, Elohim c'est Dieu au pluriel. Im dans langue hébraïque là veut dire ça pluriel quand vous est lié. Mais il a parlé de celle de Shamahem. Non, qui tu gon im veut dire les cieux, il y a plusieurs ciels. Non, regardez dans 1 Corinthiens 12 verset 2. 1 Corinthiens 12 verset 2 rapide.
1 Corinthiens 12, verset 2. Ça dit 1 Corinthiens 12, verset 2. On est allant. Pour ceux qui concernent. Ça me dit là. Moi, je dis 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Ça dit. Again, 2 Corinthiens 12, I'm sorry, excuse-moi. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset 2. 2 Corinthiens 12, verset 2. Ça dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au. Non, ça nous apprend là. Nous apprend que gain. Gain toi. Nous qui t'en compte un déjà, pas vrai? Ou bien amène nous au troisième ciel. Hein? Ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Ah. Toutefois, moi, je voulais dire bon Dieu merci pour chaque grand monde qui t'est arrivé dans des messages. Ça. Et nous souhaitons que dimanche prochain, nous allons reprendre exactement pour une sortie à la fin de camper à la fin des différentiels qui gagnent. Et une lutte que nous engageons pour nous en tant que chrétiens dans la bataille spirituelle. Ça, contre qui ça? L'argent, ou du moins l'esprit, ça, qui voulait contrôler l'église. Ça, ou du moins ça, de est-ast, ou bien l'impression, dans ce sens-là, empêcher que l'église gagne ça. Impact que le gagnant, moins aveugle, moins d'accord, que pauvreté lui compte, il pas dans la volonté de bon Dieu. Et moi, quand c'est volonté de bon Dieu pour l'église, il a non seulement gagné l'argent, mais gagné une bonne possession de l'argent. Parce que l'argent, l'un de la possession, son mari va incontrôler, il a une très mauvaise chose. Moi, je prie que mon Dieu aide, alors seulement pour comprendre, pour laver pour une semaine prochaine, et comprendre le concept ça, mais on t'y classe plus, arriver à mettre mon sou plus que possible. Manière à ce que ça, à travers vous-même, bon Dieu, qui ça, et à élargir un peu. Royaume et impact lien sont casse plus tout côté au nom de Jésus Christ. Oh Lord. Enregistrement ça, c'est une production département média à ressources humaines dans l'église famille d'Amen de Louange. Ces ministères sont en bénédiction pour vous. Ou si vous avez plus d'informations sur l'église, l'école, les séminaires, brochures, livres, musique, avec demande pour conférences et l'atelier. Ah ben, visitez-nous dans Rouen 93, rue Cayomite, numéro 77 prolongé. Ou qu'à écrire nous dans boîte postale 449 Port-au-Prince, Haïti. Email nous c'est ftlcc@yahoo.com ou ftlinfo@ftlnet.org. Ou qu'à soir, visitez nous sur net là ou du moins suivre le service nous live sur internet. Adresse nous c'est ftlnet.org. ftlnet.org. L'église à Métabelle de Louange, ou l'église avec une vision globale, côté Jésus-Christ Seigneur et l'amour avec l'unité pour gaspiller.